Assemblée générale ordinaire de la collectivité Tshiakpé, une révolution sous le règne de Dame Edetan Fenomandegbe. Après une longue traversée du désert, la collectivité Tshiakpé a pris un nouveau départ en intronisant un chef à la tête de cette grande famille le 5 septembre 2015. Depuis son installation, Da Tshiakpé Fenomandegbe Mendetan a conduit plusieurs réformes dont la réalisation d'un document intitulé « La collectivité Tshiakpé Fenomandegbe » dans le cadre de l'union et la réunification des filles et fils de cette collectivité. Nous avons compris que il y a un peu de problème dans la maison. Mais cela s'explique parce que, vous savez, le trône que j'occupe a été vacant depuis 1998. Donc c'est 17 ans après que le fauteuil a été restauré. Heureusement, tout est bien passé. C'était la grande affluence. Il y avait du monde. Et les images en témoignent. La prochaine étape, le chef de la collectivité que je suis a reçu un cahier de charge. Un cahier de charge, c'est de faire en sorte que les filles et fils de la collectivité qui sont, disons, à l'interne comme à l'externe, puissent se retrouver afin que la grande famille se reconstitue, se retrouve. Les filles et fils Tshiakpé, nous vous diaspora, sont très nombreux. C'est à partir de cet instant qu'ils seront réorganisés. Oui, des structures seront mises en place, sinon il y en a déjà, qui seront encore réactivées davantage pour que ceux de là-bas là retrouvent leur maison. Il y a particulièrement une fille que j'appelle souvent grande dame, l'ambassadrice Tchatchaté. Je profite de cette occasion-là pour la remercier et les force pour en faire davantage. Elle en aura encore. Pour amender et adopter le dit document, un comité d'organisation a été installé et confié à Joël Tshiakpé. Son équipe a organisé une assemblée générale ordinaire le 14 mars dernier à laquelle ont été invitées toutes les branches de cette collectivité. Tous les descendants de cette collectivité sont arrivés à célébrer, à participer à cette assemblée générale. Donc c'est suite à cela que des recommandations ont été formulées pour pouvoir continuer ensemble la gestion de la famille, réunir tous les fils, petits-fils, tous les descendants de cette famille. Et toutes les branches de cette collectivité ont pris part à cette assemblée générale. C'est un nouveau départ pour notre famille, puisque il fut un temps où, plus de 18 ans, on n'a pas eu de chef de collectivité. Beaucoup de choses ont été programmées. Je crois, pour le moment, le comité travaille pour voir la validation, pour suivre la validation de ce document au niveau des instances judiciaires de notre localité. Au cours de cette AG, plusieurs résolutions ont été prises. Les cérémonies qu'on n'arrivait pas à célébrer ont commencé par être célébrées. Les petites réunions ont commencé par être faites. Et aussi, nous sommes en train de programmer, de prévoir le recensement de tous ces fils qui sont de la diaspora, autant que de la diaspora, pour aller très loin du côté de nos objectifs.